Laisse 2 minutes, les photographes, 2 minutes. Comment tu vas? Hein? Dans le pas. Oui. Ah, ok. Il y a un gros ici. Partout. Oui, non. 2 minutes, hein? 2 minutes, c'est bon? Ça, j'ai déjà 2 minutes. Elle qui rend visite, mais la délégation du mouvement des générations capables, conduite par la présidente Mme Simone Yves-Bambou, est venue pour nous remercier de notre présence à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire qui a porté sur les fonds baptismaux cette organisation politique. Le Fonds populaire ivoirien a été dignement représenté par le secrétaire général, donc c'était la première raison de cette visite. Et puis, bon, comme tout parti politique sur l'équipier, échanger sur la situation nationale, sur les perspectives politiques, sur ce que, en tant que parti de la même mouvance idéologique que nous, nous pouvons faire ensemble pour aider la Côte d'Ivoire à avancer. Voilà, concernant les perspectives, est-ce que vous avez évoqué les élections de 2023? Est-ce que des alliances sont possibles? Bien, c'est une première rencontre, donc nous n'avons pas été aussi loin dans les échanges. Mais ce sont des questions qui ne sont pas exclues. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais il a dit exactement ce que je voulais dire de cette rencontre-ci. Nous sommes dans une tournée de remerciements de tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus nous soutenir pendant la tenue là, de notre âge extraordinaire qui a donné la naissance de notre parti. Et donc nous sommes venus les saluer, nous allons avoir salué d'autres, nous irons encore saluer d'autres. Nous avons été très touchés par le déplacement. Il a été très impressionnant et il était bon que nous venions. Et puis comme il a dit, nous sommes des partis politiques, nous vivons en Côte d'Ivoire, il y a déjà des échéances électorales qui s'annoncent, mais il y a toute l'activité politique, la vie politique du pays. Donc là-dessus, il est bon également que les partis puissent discuter. Mais là, comme aujourd'hui, c'était vraiment la toute première visite, on n'est pas entré dans tous ces détails-là. Quels sont quand même les points de convergence sur lesquels vous avez pu discuter aujourd'hui? Vous avez dit que vous avez échangé sur les points d'actualité. Non, nous n'avons pas échangé sur les points d'actualité. Mais nous avons ensemble, réfléchi au fait que notre obédience politique, normalement, est la même. Nous sommes tous les deux des partis de gauche, parti issu de la social-démocratie, et à ce niveau-là, il est possible de bâtir quelque chose ensemble, mais ça, c'est les bonnes volontés doivent s'exprimer. Il faudra qu'on s'asseye pour en parler. Ça n'a pas été le cas, on a juste évoqué le fait que c'est possible qu'il y ait des choses. Dans un proche avenir, le MGC et le pays comptent faire front unique pour le prochain municipal? On n'est pas encore arrivé à ce niveau. C'est maintenant seulement que c'est la première visite. Ne soyez pas trop pressés, ne nous poussez pas trop loin. Pour l'instant, c'est la toute première visite. Et puis, bon, on verra. Mais moi, je dis toujours, les journalistes, ils aiment beaucoup parler des alliances politiques. Mais les alliances politiques, ça fait partie des actes que des partis opposés, différents, mais qui peuvent, à un moment donné, converger. Ce sont des actes qui s'envisagent, qui se posent, mais c'est toujours le résultat d'une réflexion, d'une analyse. On pèse le pour, on pèse le contre, et ça se voit, on prend une décision. Il faut le temps de s'asseoir, donnez-nous le temps de nous asseoir, pour peser le pour peser le contre. Maintenant d'arrêter quelque chose, vous serez tout, de toute façon vous serez informé. Bon, en tous les cas, on peut retenir que vous êtes parti ami, quoi. Vous savez, le FPI
est un parti que j'ai contribué moi-même à créer. Est-ce que vous voyez? Donc, si on est des partis et demis, ce serait vraiment dommage. Maintenant, j'ai dit, aujourd'hui, chacun examine, puisque moi, je suis maintenant d'un autre parti. On va s'asseoir, on va parler, on va examiner, on va voir s'il y a un chemin qu'on peut faire ensemble ou s'il n'y a pas du tout de chemin à faire ensemble. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de réponse à ce niveau. Merci. Okay, merci. Merci.